Bonjour à tous, allez un petit tour dans le rayon maquillage de Primark. On va commencer avec ces rouges à lèvres et crayons à 4 euros, donc il y a plusieurs couleurs. Donc ils sont, c'est du liquide, hein, mat. On a aussi ces petits kits à 4,50€. Donc il y a le crayon, le rouge à lèvres mat et le lac. Donc 4,50€. Donc c'est la gamme nude. Hein. Sinon on a ce lot de 4, pareil, un rouge à lèvres liquide, donc à 5€. Vous avez celui-là ou le cranberry, donc tout ce qui est rouge rosé. On a ce kit de lipstick, pareil, à 4€ avec le crayon et le rouge à lèvres. On retrouve le kit aussi de cette couleur, le Berry Boss. On a aussi le rouge, mais alors là, malheureusement, je crois que c'était le dernier. Après, on a tout un choix ici de rouge à lèvres à l'unité, hein. Des gloss, pardon, 2€. On a du mat, 3€. Ensuite, on a les crayons à lèvres, donc 1,50€. On a aussi ces rouges à lèvres en crayon, donc on a du mat, 2,50€. Pareil, quand vous venez à Primark pour du maquillage, prenez votre temps puisqu'il y a énormément de modèles. Donc parfois c'est le même, donc il suffit de chercher, on a l'impression que c'est tout est pareil, mais non. Il y a des différentes textures et des différentes couleurs. Donc là par exemple on en a un en promo à 50 centimes. Cupcake, 1,50€. Vous voyez, il y a tout plein de couleurs. Après les couleurs, bien sûr, c'est une histoire de tendance, mais c'est une histoire aussi de peau. Hein. Vous prenez un rouge à lèvres, vous prenez quelqu'un de mat et quelqu'un de blanc, ça ne fera pas du tout le même effet. Donc malheureusement, on ne peut pas prendre la même couleur que la copine ou la voisine, sauf si on a le même ton de peau qu'elle. Ah, du baume à lèvres, cupcake vanille, donc à 2€. On a un miroir grossissant, il est sympa celui-là, il est à 4€. Stick concealer, donc après pareil, hein, vous avez du nude, du cool sand, du beige, donc ça va dépendre de l'incarnation de votre, peau. Donc c'est en stick, on a cela, 3€. Donc c'est une base hydratante, hein, en stick. On a une base encore, cette fois-ci liquide, à 6€. Base mate naturelle, 4€. On a du fond de teint liquide, à 3€. Un autre fond de teint liquide, donc à 6€. On a du spray fixateur, donc à 5€. Et on l'a aussi en version hydratant. Donc je pense que celui juste avant, c'était la version brillante. Je pense qu'on va avoir une petite finition brillante. Les palettes. Donc celle-ci, c'est de la poudre bronzante pour le visage. Qu'est-ce qu'elle est ? Donc voilà les 6 tons qu'on a.
On a celle-ci. Donc blush, hein, fard à joues. Donc 8 euros. On a une autre palette fard à paupières. Et on a cette version aussi en fard à paupières avec ses couleurs un peu plus naturelles. Donc elles sont à 6 euros celles-ci. On a une palette d'highlighter à 8 euros. Donc on a deux modèles, celle-ci et celle-ci. Alors je vais essayer de vous montrer comment elle est à l'intérieur. Donc voilà, celle-ci, et on en a une troisième comme ça. Une brume éclat intense à 5 euros. On a cette version et celle-ci. Vous voyez, celle-ci, par rapport à la couleur, elle est un peu plus foncée, un peu plus scintillante, j'ai l'impression. Donc elle est à base de camomille et de caféine. Et vous voyez, celle-ci, elle est plus elle est transparente en fait. Un peu plus blanche. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc voilà, donc je pense que c'est le genre de spray que vous mettez à la fin de votre maquillage pour avoir un éclat, un meilleur éclat. On a du fard à paupières kaki, donc 2,50 €. Dans la version, dans les motifs un peu kaki comme ça, on a ça, c'est deux pinces à épiler. Et on a aussi l'highlighter, donc à 4 euros. On a du fard à paupières en liquide. Alors, je ne sais pas si c'est un roller ou un liquide. J'ai trouvé le testeur. Ah bah non, c'est, vous voyez, c'est un petit pinceau. Donc 3 euros et il y a plusieurs coloris bien sûr. Alors les produits que je viens de vous montrer, alors c'est des produits Cruelty Free International, donc c'est des produits qui sont contre les tests sur les animaux, donc qui n'ont pas été testés sur les animaux. Alors ça ne veut pas dire que les autres produits ont été testés sur les animaux. Hein. Ensuite on a de la poudre minérale à 2,50 €. Du blush, 3,50 €. La poudre à bronzer, 3 €. Alors bien sûr, moi je vous montre que quelques articles pour vous donner une idée de ce que vous pouvez trouver. Puis après au niveau des couleurs ou d'autres produits, il faudra venir chercher. Parce que si je vous montre chaque produit, alors là la vidéo va durer 4 heures. Donc c'est juste pour vous, voilà, vous ayez une idée de ce qui peut se faire ici. On a un illuminateur en liquide à 4 euros. Sous-couche, donc à 6 euros. On a un set de pinceaux à 8 euros. Donc il y a 6 pinceaux. Il y a une palette comme ça, biodégradable pailletée. Donc à 5 euros. Une autre palette nude à 10 euros. On a des rouges à lèvres. Donc à 2 euros. J'aime bien ces tons là moi, c'est des tons que j'aime beaucoup, ce genre de couleur. Donc après vous avez plusieurs coloris. On a une palette mini Disney à 10 euros.
Donc voilà, vous avez fard à paupières et blush avec le miroir. Vous avez aussi la version La Petite Sirène à 8 €. Bon, celle-ci, c'était la palette test. Donc c'est une palette d'highlighter. C'était pour voir si c'était la même chose que la mini. Pas du tout, celle-ci, c'est de l'highlighter. On a un petit kit avec des petites paillettes et le vernis à 20 centimes. Après La Petite Sirène, on a les brosses à 4 €. Du gloss comme ça, dans une petite étoile à 2 €. Le parfum aussi, La Petite Sirène à 10 €. On a, alors ça c'est pour le corps, c'est pailleté. Ça c'est sympa ça aussi pour avoir le corps pailleté. Donc 4,50 €. C'est pas mal de choix au niveau des parfums aussi. On a celui-là à 6 €. On a des petits parfums comme ça à 4,50 €. On a ceux-là à 2,50 €. On a aussi ce genre de... Je pense que c'est des brumes. Hein. Voilà. Brume corporelle à 3,50 €. Celui-là aussi. Alors moi j'aime bien, j'aime bien celui-là. Il passe. Vous voyez, on en a plein des parfums. Donc les parfums, ils sont, ça commence à partir de 4,50 € jusqu'à 9 €. Donc à mon avis, il doit y avoir sûrement des dupes, ça c'est clair. Alors, apparemment, j'aime bien celui-là. Bon, à sentir, hein. Vous savez, un parfum pour voir s'il vous convient bien de le sentir ou de le mettre sur la peau, des fois ça suffit pas, des fois il faut attendre quelques minutes. Donc du coup, vous le testez, vous le mettez sur vous, vous faites un petit tour dans le magasin et puis après vous sentez pour voir ce que ça donne. Parce que parfois, une fois qu'on l'a mis sur la peau, ça sent super bon et puis dans l'heure qui suit, ça tourne. Voilà, donc voilà pour les parfums. Donc comme je vous disais, à mon avis, il y a sûrement des dupes. Donc comme ça, je vais pas m'amuser à sentir tous les parfums. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ben voilà, si vous voulez un parfum pas trop cher, ben ici on a à partir de 4,50 €. Et puis en plus, le packaging est assez sympa pour certains parfums. On a même la version mini à 12 €. On a un kit de pinceaux comme ça, 6 pinceaux à 7 €. Donc on a plusieurs tons au niveau des couleurs des pinceaux. On a un beau pinceau mini à 4,50 €. Au niveau des pinceaux aussi, il y a pas mal de choix. Il y a vraiment tous les pinceaux, hein, toutes les formes qu'il vous faut. Sinon, vous avez le kit complet là à 17 €. Vous avez aussi du nettoyant pour les pinceaux à 2,50 €. Pareil pour nettoyer les pinceaux. On a des trousses comme ça pour ranger tout le maquillage. Et ce qui est sympa, c'est que comme elle est transparente, donc du coup, on sait ce qu'on doit attraper. Donc 8 €. Ensuite, un petit tour dans les palettes pour les yeux. Alors, on a tout un choix. Donc on a celle-ci à 3,50 € ultraviolet. Donc si vous êtes plutôt dans les tons violets. On a celle-ci, riche jade, donc avec tout ce qui est les couleurs qui tournent autour du vert. On a celle-ci, la taupe. On a la, pour faire le smoke, alors on a la velvette, on vient d'avoir. Et on a, voilà, je voulais vous montrer pour les smoky. Hein. On a celle-ci, donc à 3,50 €. Ensuite, on a les un peu plus grands, donc celles-ci sont à 6 €. On a la Wild Love avec tous ces tons-là. On a celle pour faire des smoky, donc tout un ton de gris, de blanc et de noir et de pailleté.
Donc la Wild Love, on l'a vu. On a la Cool Smoke, on l'a vu. On a la Velvet Rose. On a la Rule Breaker. On a la Nude. On a la Gold. Alors la Gold a eu un grand succès puisqu'il n'y en a plus beaucoup. Donc, c'est celle-ci. On a la Neck Truth. On a celle-ci. On a la Purple. Donc si vous aimez tout ce qui est rose, violet. On a celle-ci, c'est 50 fards à paupières. Alors là, si vous ne trouvez pas votre couleur, donc elle est à 10€ et il y a vraiment toutes les couleurs. On a celle-ci, donc c'est celle du début, les petites que je vous ai montrées, mais il y a beaucoup plus de couleurs. Donc celle-ci est à 10€. Donc voilà, donc je suis sûre que vous allez sûrement trouver la palette que vous recherchez, parce que là il y a vraiment toutes les couleurs, toutes les nuances. Après au niveau des yeux, on a ça là, les petites brosses pour le mascara. Vous avez ça aussi pour guider l'eyeliner, ça c'est sympa, comme ça vous voilà au niveau du trait. Voilà, si vous n'arrivez pas à bien dessiner les traits d'eyeliner, vous avez ça qui peut être sympa. Ça coûte 2€. Vous avez ça aussi. Là par contre le trait est déjà fait. Vous avez aussi du mascara, du crayon pour les sourcils. Voilà, vous avez plein de produits aussi pour les yeux et les sourcils. Pardon, les cils et les sourcils. Vous avez ça aussi. Pour les sourcils, des crayons noirs aussi. Qui sont à 2,50€. Allez, on va terminer par la gamme Roi Lion avec des petits rouges à lèvres, trois rouges à lèvres avec trois tons différents. Donc 5€. Vous avez aussi alors ça c'est l'autre gamme, donc Léopard Luxe à 5€. C'est des fards à paupières. Dans la gamme Léopard, etc., vous avez ce set de pinceaux, 4 pinceaux à 6€. Vous avez les petites brosses à 2€. Donc voilà, évidemment, il y a encore plein de maquillage ou d'accessoires. Comme par exemple cette petite brosse licorne de voyage. Il y a encore plein de choses, hein. Il y a des produits d'hygiène, voilà, il y a des gels douche, il y a des vernis, il y a plein de choses. Je pense que ça sera le thème d'une de mes autres vidéos. Vous avez aussi dans ma playlist des vidéos à Primark avec tous les gels douche, tous les maquillages, etc. Donc regardez dans ma playlist, j'avais déjà fait pas mal de vidéos dans ce rayon-là. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à bientôt.